Alors mon ami, c'est une belle journée pour se promener, n'est-ce pas? Oh regarde, nous sommes presque à mon laboratoire. Voulez-vous me rejoindre? Nous sommes arrivés, aujourd'hui je vais vous documenter mon expérience en 1820. Voici, ma machine à téléportation que je vais utiliser pour voyager, dans l'espace, et dans le temps. L'hiver, les femmes portent une longue cape à capuchon et un manchon. Les hommes portent une tuque, une ceinture fléchée et un long manteau gris. La ceinture fléchée sert à tenir le manteau fermé. La ceinture fléchée est aussi l'accessoire des hommes du peuple. Les gens du peuple fabriquent leurs vêtements eux-mêmes. Les femmes du peuple portent un bonnet, un mantelet, une blouse et une jupe. Les gens riches ont leurs tissus d'Europe et leurs vêtements fabriqués par un couturier. Les femmes riches portent des robes élégantes et les hommes portent comme accessoire un chapeau. Le lard salé et le bœuf proviennent tous les deux d'un animal. Surtout, ils sont préparés pour être conservés. Le lard salé provient du porc, les confitures et gelées des petits fruits sauvages. Et les œufs de volaille des poules. Merci d'avoir écouté. Au prochain cours, les amis.